Bon, comment ça va en ce dimanche après-midi, mes chers viewers? Je suis en pleine forme, j'ai dormi 10 heures et aujourd'hui je lance mon live à 13h30, les gars. Ma copine est en train de me faire un sandwich. Je sais. Parce que les gars, je suis extrêmement trigger par... Ah, vous êtes jaloux, hein? Et je suis extrêmement trigger par le let's play absolument chaotique de Kamel qui a été fait hier soir, qui m'a empêché de dormir, qui m'a fait suer. J'étais obligé de faire des pompes quand je regardais son live, les gars, pour extérioriser, je vous jure. C'était terrible. Et du coup, les gars, j'avais envie de... Là, il m'a donné envie de jouer. Il m'a vraiment donné envie d'y rejouer, les gars. Et le dernier let's play date de... J'ai jamais joué à Subnautica. J'ai jamais joué, les gars. Mais du coup, vu que pour ma première fois, on m'a recommandé de mettre des mods. Alors, je sais pas, un pro gamer ultra beau gosse m'a recommandé de mettre des mods. Et du coup, j'ai mis quelques mods. Donc, on va avoir plein de nouveautés dans le jeu. Et voilà. Go stream sa VOD ou tu le démontes. Tu veux vraiment que je stream sa VOD là? Bon, après c'est Kamel, il va jamais m'en vouloir. Il est... C'est pas un crevard. Alors attends. Frérot, je te jure, mec. Je te jure. Déjà, viens, on regarde. La même chose, hein. Déjà, viens, on regarde. Pas de Delph. Mais on m'a dit, moi, j'ai toujours entendu pas de Delph. Pas dire que tu vas lancer God of War plutôt que prévu. Exactement, on va jouer à God of War. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Merde, mon cheat. Ah, putain. En ce dimanche, je travaille. J'ai le Seum. Et live de Kamel aussi m'a mis le Seum. Ah ouais, mec, il a mis le Seum à tout le monde, son live. Je te jure, il a mis le Seum à tout le monde. J'ai envie de voir ce qu'il dit sur les mods, les gars. Tu es en live 24 heures ou tu t'es levé du mauvais pied? Non, commence pas. Non, s'il te plaît, commence pas. Oui, c'est la première fois de ma vie que j'ai lancé mon live à 13h. Merci pour les subs, merci beaucoup, les gars, installez-vous. Ok? Il a mis que des voitures, frère. C'est un malade, ce mec. Je n'y rejouerai plus jamais de ma vie. Okay. Ça me va. Quelqu'un, un clip ou des mods, là? Qu'est-ce qu'il dit sur les mods? Zabi, j'espère qu'une personne a menti. Dans tous les cas, demain j'installe les mods et si ça bug, bah ça aurait été le dernier stream parce que vous m'avez menti, les gars. Ok, frérot. Dans tous les cas, demain j'installe les mods. Il a... Les gars. S'il y rejoue ce soir, je vous le dis. S'il y rejoue ce soir, il va redémarrer le jeu. Hey Dak, merci pour tous les subs, t'es un amour. Merci. J'ai loupé plein de subs que t'as offert. Merci mon amour, t'es un amour. Merci mon pote. Merci à tous les subs, les gars. Merci. Il est 13h30, les gars. Merci pour tout votre soutien. Un dimanche après-midi, les gars, c'est assez rare. Merci d'être là, déjà, en plus d'être présent, de répondre à l'appel. Merci pour tout, les gars. Je vous embrasse. Et on va passer une super journée, laissez-moi vous le dire. Oh putain. J'ai trop hâte, les gars. Si je lance, parce que je suis méga hype. Il a dit, j'installe les mods demain. Mais vas-y, il est relou, frérot. Et vous voulez voir le message que je lui ai envoyé, mec? Oh, j'ai envoyé un message, j'ai mis une heure à écrire le message. Donc je lui dis, premièrement, ça c'est les modes à installer, lis bien les instructions et clique sur manual download. Ok? Et en gros, je lui mets deux liens, il clique dessus, il clique sur manual download et il a juste à les drag and drop dans le putain de dossier! Ensuite, il drag and drop celui-là, donc lumière blanche, ultra important car sinon lumière bleue relou. Plus de quick slot obligatoire, 5 par défaut c'est horrible. Là, j'ai écrit que les quick slots, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, etc. Tu vois. Après, je lui dis amélioration de l'interface de points avec un lien. Ça, c'est la map. C'est mieux pour découvrir et pas de cheat du tout car elle se débloque par rapport aux explorations. Voilà. Ensuite, je lui dis fonctionnalité qui régale et pas de cheat. Et là, je lui dis facultatif mais très pratique. Ça craft avec les composants qui sont dans les coffres à proximité. Donc, c'est juste un gain de temps. Zéro réponse, je m'en fous, c'est pareil. Eh les gars, c'est vexant. J'ai mis une heure à lui choisir, à regarder tous les modes et pour être sûr que de pas lui donner un mode qui va lui spoiler son aventure, de va lui niquer son aventure, tu vois. Il a pas lu.
Il a même pas lu mon message. Il a même pas lu mon message. Issou. Recule dans la VOD. Donne-moi le timestamp de la VOD où il trash mes mobs. Donne-moi le timestamp de la VOD où il trash mes mods, s'il te plaît. Parce que hey, je sais qu'il a trash les mods. J'ai envie de voir le moment. Ouais, exactement, c'est un Donowall qui m'a mis. Hein. J'ai envie de voir. Au début. Un OST de fou dans Bleach, ça. Oh putain, mais quel geek. Quel animé lord. Ouais. 40 minutes. L'air produit est de 320 mètres cubes par heure. Et il vient de dire sans évacuation. Bien sûr, vous pouvez choisir la température vous-même sur une... Donc qu'est-ce voilà, qu'il fait les mecs, non mais frérot, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des putains de publicités pour des climatisations. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il y a pas d'évacuation, il y a pas d'évacuation. Là, il parle de quoi, espèce d'imbécile? Il y a pas d'évacuation, et pourtant... Il regarde des putains de publicités pour des climatisations, le mec, putain. Eh voilà. les gars, hey, le contenu sur Twitch, je vais vous le dire, en ce moment, c'est très compliqué, les gars. C'est... Il faut qu'on trouve du contenu, ok? Et tu sais, pour des gens comme Kamel ou moi, on stream beaucoup. Et souvent, normalement, avant des jeux vidéo, bah là, c'est vrai que c'est un peu difficile, quoi. Frère, parlez pour rien, encore une fois. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Regardez toute la vidéo. Il y a que des trucs avec des tuyaux. Voilà, comme il, l'intro, il montre les clims qu'il va montrer. C'est logique. Il a un tuyau, là, c'est sa clim. Les gars, le jour où on va avoir des clims sans tuyaux, ça va être la masterclass. Tout à l'heure, j'en discutais avec un pote et je me suis dit, les gars, le jour où il y aura des climatisations... Sa mère, le jour où la climatisation, tu sais, les gars, il y a des choses qui évoluent dans la technologie, tu sais. Il y a des choses qui bougent pas. La voiture, par exemple, ça bouge pas. Bon, elle consomme moins aujourd'hui, hein. Elle consomme moins, elle pollue moins, machin. Ok. Mais putain, les climatisations, elles ont jamais bougé. Une clim de il y a 10 ans, 20 ans, c'est la même qu'une clim aujourd'hui. C'est horrible. Non, ça s'appelle un split. Ça existe, mais c'est un split. Donc, en quelque sorte, t'as déjà le tuyau. Ça s'appelle un split. Donc, c'est de la merde. Je te parle d'une vraie clim qui juste rafraîchit l'air comme un ventilateur. Ce serait masterclass. Tu vois? À 2h30. Qu'est-ce qu'il y a à 2h30? Je rien, il me casse les couilles. C'est... Tu vois, parce qu'il dit... T'as dit à 40 minutes. Même moi, au début, je me suis fait avoir. Ah non, ils me rendent fou les gens, voilà, ils me rendent fou. Les gars, je comprends pas pourquoi, par contre, je comprends pas pourquoi Kamel joue pas à Getting Over It. Je comprends pas. Pourquoi il joue pas à Getting Over It, pourquoi il joue pas à des jeux comme ça. Genre, ce serait incroyable, je paierais très cher. Très cher. Déjà hier, je lui ai proposé 500 subs s'il finit Getting Over It en moins de 15 heures. Mais j'aurais peut-être dû dire 1000 subs. Parce que là, bon, bah voilà, hein, on n'en est plus là. Hein. Il faut quoi maintenant? Il faut que je leur donne 10 000 balles aux streamers pour qu'ils fassent un truc. Il faut que je sponsorise. Il faut que je fasse une OP. Et les gars, bientôt. Et hier, je me suis dit un truc. Je me suis dit, et si je prenais les streamers et je faisais des OP? Genre, je faisais des OP avec des streamers. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je suis tellement en cours de contenu que je suis à deux doigts de payer des streamers pour pouvoir restream leur contenu sur mon stream. Leur écrire un contrat, leur faire signer un putain de contrat où je leur donne 10 000 balles et ils jouent un jeu pendant 3 jours et moi je regarde leur putain de jeu en streamant leur truc, leur écran. Les gars, je suis à court de contenu, je suis désespéré. Prends 10 000 balles, joue à Jump King et fais-le à ma place. Allez hop, c'est terminé, tu vois. À deux doigts de faire ça les gars. C'est trop triste mais les gars, le contenu maintenant c'est ça, il y a plus de contenu. Obligé, bah oui c'est obligé. Nah, le problème les gars. Le problème, c'est à quel prix? C'est ça le problème, tu vois? C'est pour ça que j'ai quitté la vidéo direct. Je me suis dit, ça va jamais être possible qu'il n'y ait pas de tuyau. Sinon, c'est avec de l'eau bizarre où ça pue sa mère. Bon, les gars, à 2h30 le mode, je crois. Non, mais t'es relou. Tu peux pas rendre un truc frais. À 2h30, c'est là où je suis arrivé, frérot. Ouais, c'est une folie. Y a pas une autre page. Non, c'est une dinguerie quand même. À 2h30, c'est le moment où je suis arrivé. Ah non, là, il va parler des modes, c'est sûr. Machine, oh, le bâtard. Café, je peux. Il a la machine à café, le mec.
Glide. D'ailleurs, chat, il y a beaucoup moins de mods sur Subnautica. Hein. Ils ont tout supprimé. J'avais plus de mods avant qu'aujourd'hui. Tu as du contenu, frérot. Tomb Raider, Uncharted, God of War. Excuse-moi, je suis endormi pour la moitié de ton message. Bah là, il faut que j'aille chercher un cuivre. Faut que j'aille chercher un cuivre. Mec, pendant 6 heures, sa base, c'était ce merdier de vaisseau. Putain! Et tu vois, je vais te dire, ce Subnautica, ils ont appris de leurs erreurs. Parce que du coup, ils ont fait un jeu beaucoup plus pourri, mais un jeu qui était beaucoup plus casu. Subnautica Below Zero, ils ont décidé de faire en sorte qu'il soit Kameto friendly. Ouais, il aurait dû commencer par Below Zero. Parce que t'as pas besoin de faire une base dans Below Zero. Ta base, c'est une petite base train-train tchou-tchou qui mobile. Eh ouais! C'est une petite mobilette. Et ça lui aurait mieux parlé. Subnautica ou Grand Dead? Bah tu sais, viens, on attend que Grand Dead se termine. Viens, on attend septembre que je termine Grand Dead. Septembre-octobre que je termine Grand Dead. Et là, comme ça, on pourra dire. Mais bon, mec, Subnautica, c'est quand même... C'est difficile à égaler. Je pense en termes de jeu de survie, je vais te dire que Subnautica, c'est peut-être le meilleur jeu de survie qui existe sur cette planète. Je pense qu'il n'y a aucun autre jeu de survie qui arrive à sa taille. Je te le dis, mec. Aucun. Soyons honnêtes, les gars. Parlons-en. Genre, je crois vraiment qu'il n'y a pas un jeu de survie sur cette planète qui arrive. Non, Valheim, non, c'est différent. Minecraft, c'est pas un jeu de survie, c'est un jeu de merde. Non, Grinnell, non. Raft, même Raft, frérot, non. Non, The Forest, c'est un peu en dessous, je dirais. C'est vraiment en dessous, The Forest. Vraiment, les gars, vous... Mettre Ark, comparer Ark à Subnautica, frérot, j'ai envie de te tarter, frérot, j'ai envie de te tarter. J'ai envie de te tarter, frérot. Ark et Subnautica, frérot, j'ai envie de te tarter. Le fait que ce soit sous l'eau, c'est ça qui fait la diff. Sous l'eau, l'ambiance, les musiques, le jeu est putain de fluide, le jeu est beau, il est pas moche, il est pas buggé. Y a tous ces critères qui rentrent en compte, les gars, hein, vraiment, les gars, parce que là, par exemple, Ark, c'est buggé, c'est moche. Tu vois, ça a pas sa patte. Là, ça a vraiment sa patte. Le jeu a sa propre DA. Il est carré, quoi. Comme Raft, hein. Comme Raft. Tu vois, Raft et Subnautica, ils sont un peu sur la même échelle parce qu'ils ont leur propre DA. C'est pas un espèce de truc semi-réaliste pourri avec des graphismes de merde qui sont sortis de chez 3DS Max pré-configurés, tu sais, achetés sur des sites de 3D, mec. C'est pas ça, tu vois. Et en plus, Subnautica, attention, c'est un vrai jeu de survie, on est solo. C'est un jeu solo. Attention, hein, à chaque fois, vous prenez des jeux multijoueurs et vous le comparez, c'est pas vraiment comparable. Stranded Deep, frérot, il est claqué sa mère, genre, sois honnête. Il est claqué sa mère, vraiment. Mec, t'as juste à ouvrir ton inventaire dans Stranded Deep pour comprendre que le mec qui l'a fait, il louche. Mec, je te jure, tu joues à Stranded Deep 2 secondes, t'as juste à ouvrir une fois ton inventaire et tu te fais, mais ce mec est extrêmement bizarre. Tu vois? Le gars qui a développé l'inventaire dans Stranded Deep, il est extrêmement zinzin. Il est vraiment, il y a un truc qui cloche dans son cerveau. Alors, tu vas devoir prendre des caisses, les mettre par terre, ouvrir la caisse, mettre les 5 trucs dans la caisse, remettre la caisse dans ton inventaire. Ah oui, ton inventaire aussi, c'est un vieux truc de merde où il faut cliquer avec un truc radial et tout. Non mais c'est bon, frérot, c'est bon. Mais tu vois que Sea of Thieves, un RPG Sea of Thieves, aurait été incroyable, putain. Oh là là, hier avec le patch SOT, tu sais, à chaque fois, on se fait une petite réunion avec les gens avec qui je jouais à Sea of Thieves à l'époque. Et à chaque fois qu'il y a un patch Sea of Thieves, on se tape un petit peu une barre. C'est le moment de se réunir et de prendre une petite bière ensemble, tu vois. Et du coup, on se réunit, on parle du patch. Donc à chaque fois, bon, il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de vocabulaire assez fort et pas Twitch-friendly qui sortent quand on voit ce genre de patch. Mais du coup, tu sais, genre, on est en mode putain, waouh, ils se sont craqués cette fois-là. Vraiment, tu peux renommer ton navire et faire un preset de voile. Oh là là, là, on est allé super loin. Mais tu sais, genre, putain, Sea of Thieves, le jeu qui a le plus de potentiel au monde depuis 4 ans, inégalé. Il n'a jamais, il n'y a rien qui arrive au chevet. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qui arrive au chevet de Sea of Thieves. Rien. En termes de DA, en termes de
En termes de gameplay, même le gameplay, il est incroyable. En termes de concept, de game design, de concept, il est formidable. Tu vois ? Non mais pourquoi tu me sors LOL ? Pourquoi tu me sors LOL ? T'es con ou quoi, toi ? Je te parle de concepts ces 10 dernières années, mec. Ok, parlons des concepts jeux vidéo ludiques qui sont sortis ces 10 dernières années. Ok ? Il y a eu quoi ? Il y a eu des copies de CSGO. Il y a eu CSGO, une copie de CS 1.6 et CS Source, alors que CS Source était mieux. Il y a eu quoi en termes de concept ? Rien ? Ah oui, Fall Guys, excuse-moi, Fall Guys et Fortnite. Fortnite qui était qui a repris PUBG, qui a repris H1Z1, qui a repris DayZ. Ouais, ok, bon, ah, ok. Apex qui était plutôt bien accueilli, je dirais. Overwatch aussi. Mais Overwatch qui était une copie de Team Fortress. Ils n'ont rien apporté, attention. Je parle de qu'est-ce que Rocket League a apporté quelque chose de nouveau. Ok, 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 tu vois. Ça, c'est ok. Project Zomboid, frérot, qui retourne dans les années 90 sortir leur jeu. J'ai l'impression que ces mecs-là, ils ont fait une machine à voyager dans le temps. Et frérot, ils sont bloqués dans les années 80 avec leur jeu de merde. Et tu sais, genre, ils sont arrivés en 2022 comme ça, ils ont fait... Mais c'est l'heure de sortir le jeu. Mais non, frérot, t'es dans les années 80. Retourne sur du Windows 95, faire ton jeu de clic, de point and click, frérot. Non mais, Project Zomboid, j'en suis sûr que c'est un putain de jeu de trop fort. C'est peut-être le meilleur jeu de zombies qui existe. Mais frérot, me mets pas un jeu qui, où je vois mon petit personnage en mode RuneScape. RuneScape. Eh, vous connaissez pas les petits zookers, hein? RuneScape, c'était un jeu de navigateur web. C'était un jeu flash. C'était genre... à l'époque de Dark Age of Camelot, qui était le premier MMO que WoW a copié, à cette époque-là, il y a eu un autre concurrent des MMO avant Dofus de merde, là. Trop bien, non, Dofus. avant Dofus, il y avait RuneScape. Et aujourd'hui, RuneScape existe encore, je crois. Mais c'est juste un jeu de raciste, maintenant. Et c'était un truc de fou. C'était un truc de fou aussi, mais c'était un navigateur web horrible, 3 FPS, tout le monde y jouait, c'était n'importe quoi, c'était... C'est nul à chier, nul à chier. World of Warcraft, c'est le meilleur jeu qui existe sur la planète, je vous le dis. Donc, ouais, Satisfactory, ouais, mais c'est un peu en jeu indé. Donc, tu vois, on reste dans les jeux indés. Quel jeu a réellement apporté un truc à la table du jeu vidéo? Tu vois, Sea of Thieves. Je vous le dis, Sea of Thieves a ajouté quelque chose de nouveau dans l'univers du jeu vidéo. Quelque chose d'unique en son genre. Unique. C'était pas un Battle Royale. C'était pas un c'était vraiment quelque chose d'unique. GTA 5, suce ma queue, c'est le même jeu tous les ans. Avec des nouvelles fonctionnalités. Ok ? C'est leur patte, c'est leur truc. Voilà, ils apportent rien de nouveau au jeu vidéo. C'est leur truc tous les ans, c'est unique. C'est le jeu vidéo à part. C'est un segment à part à eux. Road 96. Et toi, je vais te sortir. Donc ouais, les gars. Minecraft. Non, mais Minecraft, frérot, ça existe depuis plus de 10 ans. Donc t'es gentil. Et Minecraft avait son genre, il y avait son genre, ça c'est sûr. Il a géré un son genre, il a créé son genre, le Minecraft. Mais je te dis, ces 10 dernières années, ok, je répète, quel jeu a apporté quelque chose sur la table? Voilà. Skyrim a apporté quelque chose. Mais attention les gars, vous parlez beaucoup de jeux solo. Et pour que quelque chose, pour moi, apporte quelque chose à la table, il doit être multijoueur. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, un jeu doit être multi, je trouve, pour qu'il apporte quelque chose dans le jeu vidéo globalement et pour qu'il subsiste dans le temps. Un jeu solo ne subsiste pas dans le temps. Un jeu solo sort pendant 2 semaines et il est incroyable pendant 2 semaines et après, subsiste pas dans le temps, il descend. Parce que du coup, il vieillit. Alors qu'un jeu multijoueur... apporte quelque chose de nouveau, apporte quelque chose à la table et subsiste dans le temps. Parce que du coup, par exemple, quand un Call of Duty est sorti, ils ont subsisté dans le temps plus que personne d'autre. Parce que le genre Call of Duty, le genre de FPS, etc., ils ont régalé, ils ont entretenu ça, tu vois. Et Warzone, c'était un très bon move. Among Us, effectivement, Among Us. Mais Among Us, c'était un jeu un peu indé, tu vois. Mais ça apportait quelque chose à la table, ça c'est sûr. Tu vois, enfin quelqu'un qui dit quelque chose de sensé.
Mais Among Us, attention, c'était tellement un jeu indé que c'était difficile. Mais ça a tellement explosé que ça a apporté un truc assez, assez bien. Mais tu vois, regarde, est-ce que ça subsiste dans le temps? Le seul truc qui subsiste dans le temps, c'est que les développeurs, ils ont compris qu'il y avait un truc de mêler 10 personnes en mode jeu de société et trouver l'intrus, ça a toujours marché. Un peu comme dans les jeux de société. Bon, voilà. Among Us, c'est un peu un jeu de société. Attention, hein, tu vois. Left 4 Dead. Bah non, frérot. Bah non. Bah non. Bah non, frérot. Alors, peut-être que t'es né justement il y a 10 ans, et du coup, pour toi, Left 4 Dead, c'est quelque chose de tout nouveau. Mais non, moi, je regardais du e-sport sur Left 4 Dead encore à l'époque. Hein. Hein, moi, je regardais le e-sport sur Left 4 Dead, frérot. Qui était incroyable. Et dont je me suis beaucoup inspiré dans ma manière de monter les vidéos. Tu regardais les Left 4 Dead montage multijoueur. C'était stylé, tu vois. J'avais des gens qui faisaient des montages, mec, avec des hunters et tout. Incroyable, tu vois. C'était incroyable. C'était il y a 7 ans, frérot. Ouais. Peut-être pas celui-là. Peut-être pas celui-là. Attends, attends. Attends, on va regarder un truc. We have a quad. Let's wait for them to drop. Attends, mais sérieusement. Y'a pas un montage, genre. Attends, je vais taper Frag Movie parce que je crois qu'à l'époque on disait Frag Movie. Frag Movie, voilà. Donc, frérot, ça c'était un. Le monde du jeu vidéo no fake. Ah ouais, ça c'est clair. Eh frérot, d'ailleurs, vous avez vu sur Battlefield 2042, ils ont modifié la tête de leur personnage. Et pour ça, je les applaudis. Parce que honnêtement, là, comment est-ce qu'ils ont validé les têtes de cons qu'ils ont sorties, hein, comme guerriers, tu sais. Vous vous rappelez, on en avait parlé. 48 minutes, ok, je regarde. Mais rien de la beauté. Rien de cette époque. Cette époque, les gars, c'était la meilleure époque. Donc là, en fait, sur Left 4 Dead à l'époque, donc il y avait un peu des tournois, ok? Il y avait des tournois. C'était très, 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 très rare, tu vois. Et en gros, sur Left 4 Dead, t'avais 4 zombies avec des différents talents, etc. Ok? Tu choisissais ton zombie. Avec 4 survivants. Les survivants, ils devaient exécuter un parcours et arriver à la fin du parcours, ok? Avec des zones à défendre parfois, etc. Et le but, et ce qu'ils faisaient, genre un full lockdown, les zombies, ils devaient chacun contrôler. Parce qu'en gros, quand t'es un survivant, ou quand t'es un zombie, tu peux contrôler un survivant. Et le seul moyen que le survivant s'en sorte, c'est qu'il se fasse aider par un pote à lui. Mais si les 4 se font écarter, et les 4 se font stunlock, eh bien, les zombies gagnent immédiatement. Que les mecs soient full HP, full ce que tu veux, c'était incroyable. C'était vraiment très dur à faire. Loc, c'est la première fois que je suis son ton chat de fou furieux. Je te fais la bisette du sud. Vive. Merci, la frérot. France et vive la Loc Bizizi. Merci mec, t'as l'amour. Regardez ça les gars, les 4 stun Loc. Bam. J'espère qu'il fait du survivant avec les fusils à pompe là. Ça c'était vraiment stylé. Les snipers et tout, fusils à pompe, c'était vraiment stylé. Wow, regardez, les mecs se synchronisaient et sautaient chacun sur un mec. C'était incroyable, c'était assez impressionnant, regardez. Bon, de toute façon, à part dire que c'est un jeu mobile, vous saurez rien d'autre à faire. Les petits noobs. Hein. J'avais un pote qui avait fait, je me rappelle plus de mon pote, attends, si je crois qu'il s'appelait. Il avait fait une de ses frag movies, je l'adorais, c'était avec de la break quelque chose. C'était incroyable, putain, c'était il y a 12 ans. Pas celle-là. C'était à l'époque où on utilisait de la break. On faisait des montages avec de la breakbeat, du breakbeat, tu vois. Et c'était incroyable ces musiques. Moi, j'adorais. J'adorais. Il faudrait que je regarde. J'ai une playlist Beatport. À l'époque, j'étais sur Beatport. Quand Spotify n'existait pas, j'étais sur Beatport et j'avais toutes mes playlists de breakdance dessus. Et on mettait des... Ah, c'était fou. C'était incroyable. Bon, de toute façon, vous en battez toutes les couilles, de toute façon, parce que bon, vous êtes tous des hookers et tout ce qui vous intéresse, c'est quel jeu mobile on peut jouer aujourd'hui. Et dans 2 ans, tous les streamers sont sur mobile. Un de cuivre, un seul. Donc, t'as dit quoi? C'était quel timestamp? J'ai oublié. J'ai dit quoi? 45? 45? J'ai oublié, les gars. 48, Kamel. Les démodes.
Cela fait une semaine que je consomme Mad Monk et Champion un fois par jour. Depuis, mon énergie est décuplée, ma créativité s'est envolée, mes muscles et mon intelligence. D'ailleurs, avant le live, j'en ai pris un. Donc merci beaucoup Mad Monk. Merci d'être les boss. Grâce à vous, je vais tenir mon live un petit 72 heures. Grâce à vous Mad Monk, avec modération. Et le matin, moi je recommande. Ça, c'est moi qui le recommande, c'est pas Mad Monk. Mais voilà, un par jour ou deux max. Et voilà, madmonk, c'est des compliments alimentaires. Assassin's Creed a révolutionné les vidéos en démocratisant les bugs. Vitamines, donc ça c'est un par jour pareil. Et les performances, pour gagner en performance et être plus efficace dans le jeu vidéo. Voilà, que des bons composants, que bon ça, la santé. Ok ? Donc achetez ces compliments alimentaires les gars. Ok, point d'exclamation, madmonk, et cliquez sur le lien. Voilà. C'est le stream. Voilà, j'ai eu peur. Je sais pas comment ça s'installe. Je sais pas combien de temps une ça m'a installé. Une magnifique heure pour un stream de Leclerc biceps, un régal. Mais putain, mais il est sérieux, frérot. Et tout là. Tu peux jouer sans. Allez, la preuve. La preuve, les gars. Il a joué sans et il a tenu 5 heures. Et c'est terminé maintenant. Il en a ras le cul du jeu. Bravo à tous. On peut tous applaudir. Putain. Joue sans mode, non. Gna gna gna. Pas besoin de mode, ouais. Eh bien, tiens. Oh, Monstoro Londo, là. Hein, il a tenu. Eh, il a même pas sauvegardé. Pas besoin de mode, non. Mais moi, je crois. Je crois l'au clear, moi. Merci. Mais si tu crois l'au clear, fallait lire. Fallait lire, frérot. Mais le problème, c'est qu'il l'a fait en live et effectivement, je comprends pourquoi il l'a pas fait. Parce que du coup, quand t'es en live, t'as pas le temps, tu sais, de lire des mods et tout. Tu vois, t'as envie que ça enchaîne. Mais il a pas été cool parce que moi, j'ai pris une heure de mon temps personnel, hein, hors live, à lui envoyer cette liste. Et lui, il a pas pris 5 minutes de son temps personnel pour installer ça. Son lock a niqué son expérience. Et voilà. Putain, il fallait qu'il y ait un coq. Qui a dit ça? Locke a niqué son expérience. Qui a dit ça? Qui? Non, je crois l'Oclear, les gars. Il y a écrit amélioration interface. Et Ok, il a lu, ça me fait plaisir, il a lu. Map ou je sais pas quoi. Il m'a dit c'est des gains de temps, des trucs de ouf. En fait, c'est sur... Locke, il aime trop être des mods dans tout, il y a... Dans tout, il n'y a pas besoin. MGL. C'est quoi MGL? C'est ma gueule? Oh, putain. Locke, il aime trop être des mods. Donc, il a maître des mods. Ok. Dans tout, il n'y a pas besoin. Ma gueule. Frérot. Le seul jeu que j'ai modé en stream, c'est Subnautica. Ma gueule. C'est le seul jeu que j'ai modé. MGL. Frérot, incroyable. Attends, user le. Vas-y, on va regarder c'est qui. On va voir s'il est sur mon chat déjà. Et il a 245 messages, hein. Si vous avez Google de vérif, juste avec Google, c'est rapide. Appel Squeezie. Si, la complexité. Ken OP. Ken OP. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il raconte? Il cicatrise mal, mutant. Ok, c'est probablement ma phrase de pointeur. Fais gaffe. OMG, l'Oclear raciste. Ah ouais, là, on a un chatter assez... ok, bon. Ok. Non, mais frérot, c'est chiant. C'est chiant. Nexus mode. Moi, je vous le dis, 100%. Kamel aurait mis mes mods. Il aurait eu une bien meilleure expérience. Et il aurait bien plus kiffé sa première expérience sur Subnautica que sans ces putains de mods. Tu vas niquer ton expérience, fais gaffe. Et voilà! Putain! Une 97 d'ordic. Mais comment je fais? Oh putain, c'était pas con. Attends, vous allez me faire croire que ce gamer n'a jamais installé un mod de sa vie? C'est vrai qu'on a toujours pas regardé chez Chounet, les gars. Oh merde. Eh, on a le time, hein, les gars. Il est que 14h16. On a le time, les gars. On a l'âge. Ah bah voilà, time. Je comprends rien, frérot. Ah, il a essayé quand même, ok. Donc, déjà, il a essayé. J'ai pas envie de faire d'efforts, wesh.
Ah oui, je crois qu'il devait créer un compte aussi sur Nexus Mod pour les télécharger. Ah merde, ah merde. J'avais peut-être dû lui dire, j'avais pas précisé. Premier mode, c'est le mode installeur. En fait, là où j'ai fait une erreur, c'est j'aurais dû lui envoyer les modes déjà pré-téléchargés et juste lui dire de les dézipper à tel endroit. C'est ce que j'aurais dû faire. J'ai pas fait mon taf jusqu'au bout. Je l'ai un peu, je lui ai donné des liens pour les télécharger, mais je suis un peu con. J'aurais juste dû les télécharger pour lui et ouais. Bien les instructions. Bon, il a essayé au moins. Il a essayé. Bon, c'est moins vexant alors. Je suis moins vexé. Les instructions, je peux pas. Je suis moins vexé. Pure Sport, je connais. Non, les gars, voilà, il y a trop de liens. Je vais pleurer, frère. Franchement, il y avait pas de lien. En plus, faut lire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, 8 liens. Lui. Lui, rien. Il y a lui, rien. J'ai pas joué à cause de ça. Ah non. Ça me fait. Laisse Jekyll faire et mets une vidéo à côté. Non, mais non, je suis mort, moi. J'ai dû skip au moins 4-5 jeux. La première fois que je voulais faire Mountain Blade, Nabil, il m'avait envoyé un lien pour installer des mods. En fait, j'y ai passé genre au moins 5 heures. No joke. Mais quoi? Et c'est le mec qui mange des cartes graphiques qui parle de ça! Cœur. Et rien ne marchait. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, la vie de ma mère. Frérot, hey, je vous montre la liste des mods que j'ai. J'ai encore 60. J'en ai 60 sur le jeu, frérot. J'en ai 60. et vous savez quoi? Spoiler alert, il marche mieux. Il marche bien mieux. J'ai envie d'installer de mods. S'il y a un truc à installer ou quoi, et c'est pas sur Steam où tu cliques s'abonner, je le fais plus. Non, ah ouais, les gars, j'avais tout installé pendant je sais pas combien de... Mec, tu sais quoi? Kamel, si t'as envie de deuxième... prenez le clip si vous voulez et envoyez-lui. Kamel, si tu veux que je t'installe les mods via TeamViewer, je peux le faire, mon bébé. Ok? Mais donne une deuxième chance au jeu parce que là, tu m'énerves. Tu m'énerves! Ok? Donc, vous pouvez lui envoyer ça si vous voulez. Et je lui fais un TeamViewer, il n'y a pas de problème. Hors live, en live, ce qu'il veut. Et je lui mets les mods. Vraiment, je lui mets les mods. Sinon, Kamel. Tu dis encore que Somnica, c'est de la merde, tu appelles Kotaï. C'est aussi bête que ça. Ok? Tu continues à faire le zinzin là? Continue à faire ça, j'appelle Kotaï. Moi, je rigole pas, hein. Moi, je rigole pas avec Subnetcar. Kelvin, merci. 14 mois. Merci Kane pour les 39 mois. Estilu, 25 mois. Merci mes bébés pour les subs, les subs. Bienvenue. Moi, je te dis. T'es là, Kotaï? Il est pas là. Ah si, il est là. Hey, Kotaï, tu lui enverras ça, s'il te plaît. Frérot, le mec, soi-disant, mange des cartes graphiques. On est où, là? Moi, tu sais que j'ai pas dormi à cause de ton pote, là. J'ai pas dormi, frérot. À 3h, je me lève. La choucroute que j'avais, frérot. La choucroute. Je regarde le live comme ça de ton pote, là, qui fait n'importe quoi sur mon jeu préféré. Putain! Fake geek. C'est pas un vrai geek. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est finito, MDR, t'inquiète. Il y a Jekyll dont il parle qui va le faire. Let's go, baby! Let's go! Et honnêtement, les mods que je lui ai donnés, ils sont tranquilles, mais je pense qu'il va beaucoup... Dis-lui d'installer tous les mods que je lui ai donnés. Hein. Tous! Parce que sinon, il va pas kiffer son expérience. Il a besoin d'un peu de facilité dans le jeu, tu vois. Et voilà. Tu prends le jeu, même concept dans l'espace. Bah, le Breath Edge, il est vraiment bien. Mais je trouve que Breath Edge, il est moins open... En fait, Breath Edge, il est moins... Il est stylé, hein. Il est vraiment stylé. Mais il est moins open world. Tu sais, c'est plus une trame. Tu sais, t'es obligé de suivre une trame et de progresser par rapport à la trame. C'est pas l'espace grand ouvert. Et ça te donne cette illusion que l'espace est grand ouvert alors que c'est une ligne droite. Et c'est ça que j'ai pas aimé dans Breath Edge. Ouais, il est linéaire et t'es obligé d'avancer dans la ligne. Tu peux pas revenir te créer une base, etc. Tout est fake sur la base. Alors que Subnautica, il y a l'effet base, c'est vraiment un jeu de survie qui est parfaitement bien dosé, Subnautica. Parce que la base te sert à quelque chose, elle te sert pas à rien. Comme The Forest, tu peux finir le jeu, pas besoin de base. Breath Edge, tu peux finir le jeu, pas besoin de base. Tous ces jeux, soi-disant de survie, Green Hell est la plus grande.
escroquerie des jeux de survie inimaginables, t'as pas besoin de base. Parce que tu sais quoi? Tu peux juste te balader dans la map et trouver des canapés pour dormir là-dessus. C'est une honte. C'est une honte. Donc, et tu peux, tant que tu peux finir le jeu sans créer de base, c'est chiant. C'est chiant. Les gars, je suis un professionnel des jeux de survie. Professionnel! Conan Exile. C'est un Rust-like, Conan Exile. Tu finis pas Conan Exile. Donc, c'est un Rust-like, frérot. STP, peux-tu filer la liste des mods? Je vais vous la partager, si vous voulez. Ok. Vous voulez vraiment que je partage la liste des mods? Ok. Je pense, en fait, je vais vous partager une liste de mods à mettre pour vraiment kiffer l'expérience Subnautica à fond, sans cheat. Sans cheat. Voilà. Sans aucun truc abusé ou quoi, tu vois. Squirrel, Twitch Prime, Jito, 13 mois, merci Mbo, 4 mois, merci, je sais pas dire ton pseudo de 200 bits, Funko Fox pour les 14 mois, Senax, 10 mois, merci. Hey! Écoutez! Tu trouves pas ça dingue, frérot, que t'aies goûté déjà plus de trucs dans la restauration que Kamel? Moi, j'ai trouvé. Et moi, je t'avoue que j'étais choqué. D'ailleurs, merci pour le Uber. Hein. J'ai vraiment pas eu l'opportunité de te dire, mais merci pour le Uber, c'était encore là. Voilà. Ouais, et côté, il m'a offert un Uber. Il m'a payé le Uber pour que je rentre chez moi. Et ça, moi, j'oublie pas. Tu vois? Moi, les streamers qui me payent des trucs, t'inquiète pas. T'inquiète pas, moi, j'oublie pas. T'inquiète pas. Il m'a payé un Uber, 5-6 balles, je crois. Moi, je retiens. Moi, quand on me paye le resto, le Uber, les trucs, moi, je retiens. Monsieur Relax, vous avez 29 mois. Merci, mon bébé. Merci, les gars. Installez-vous. Ok, bon. Côté, est-ce que tu peux me dire un truc, s'il te plaît? Péter de rire, c'est parce que mon père est restaurateur. Ah, c'est pour ça que t'es de bon goût. Putain, c'est incroyable, c'est formidable. Hé. Attends, j'avais une question. Attends, merde, j'ai oublié ma question. Putain, tu m'as volé ma question. T'as regardé The Boys? Non, je vais le regarder, je pense. La première saison, frérot, elle était difficile pour moi. Pour les potes, sub, team j'ai aimé, tu vois. Pour aider, mais pour tes viewers, c'est un peu trash. C'est un peu trash, tu vois, un peu caca de temps en temps, tu vois. Genre, ça sent que c'est parodie, et ça qui me fait un peu chier, quoi. Tu vois, par exemple, j'ai regardé The Tick. Et là, c'est la parodie pure, The Tick. Et tu vois, The Tick, j'ai bien aimé. Alors que c'est vraiment poubelle. Hein. The Tick, c'est poubelle. C'est poubelle. Mais peut-être ma série préférée, c'est Vandamme. Hein. Vandamme, les gars, ils ont annulé la saison 2, c'est trop triste. Mais Vandamme, la saison 1, elle est formidable. Je comprends même pas pourquoi il n'y a pas de saison 2. Ça me fait trop chier. The Sword Leader, 5 mois. Green, 6 mois. Merci. Greg, 6 mois. Ah oui, la question, c'est ça, côté. Est-ce que Kameto va continuer ou pas? Parce que hier, il a dit, vas-y, moi, je continue pas. Il a dit, j'ai fini. Parce que là, tu me dis qu'il va installer des mods. Donc, ça veut dire qu'il va redonner une deuxième chance au jeu. Non, mais en fait, les gars, toute sa sauvegarde, elle s'est ruinée. C'est ça le truc. Toute sa sauvegarde. T'en sais rien s'il va retenter. Mec, les 6 heures de jeu qu'il a fait, il a jamais sauvegardé, le mec. Donc, les 6 heures de jeu qu'il a fait, elles ont disparu. Attends, mais je me suis fait un donowall là. Ouais, il m'a donowall. C'est terminé. Aucune idée, en vrai, ça dépend que de lui. Avec les mods, ça peut le chauffer. Ok. Tu sais ce qui chaufferait, frérot, c'est de le faire en multijoueur. Et dans ce cas-là, comme ça, il bêta-teste le mode multijoueur pour moi. Par contre, le mode multijoueur, là, il va avoir besoin d'une équipe technique. Je te le dis. Parce que je crois que c'est encore des trucs avec Yamashii. Hein. Genre, je sais pas si ça te parle, mais c'est un truc de... Quelqu'un a déjà testé ce Subnautica en multi? Ces derniers jours. Hein. Ces derniers jours. Pour savoir si ça marche bien ou pas. C'est Nitrox, je sais pas quoi.
Ceux qui ont testé, les gars, est-ce que ça marche bien ou ça pue la merde? Mais tu jures, est horrible. Je l'ai fait récemment avec un pote, full bug avec les bateaux. Ah merde, c'est encore ça? Donc quand ton pote il rentre dans ton... En fait, je crois qu'il faut juste respecter des règles où un pote à toi ne rentre jamais dans ton bateau à toi. Tu sais? Parce que s'il y a un pote à toi qui rentre dans ton bateau, eh bien le bateau il disparaît. Du coup, faut cheater pour se les redonner et tout. C'est un peu caca, quoi. C'est un peu caca. Solo, c'est très bien. Bah, mec, moi, je trouve que, mec, c'est dommage qu'ils aient pas donné l'option multijoueur. C'est dommage que la communauté doive tout faire, mec. Et vous avez vu, Elden Ring, ils ont sorti un mode coop seamless qui est incroyable. C'est la commu encore. C'est la commu qui mode le jeu. Et Kotaï aussi, tu veux bien forcer Kamel à faire des trucs genre getting over it, des trucs, des jump king là. Tu veux bien faire des jeux pour son calibre. C'est clairement le streamer qui devrait faire. Ok. Si moi je le fais, il le fait. Franchement. Géométrie dash, non mais géométrie dash c'est pas trop moche. Ouais, torture-le un peu là. Mec, j'ai envie de voir casser des trucs. J'ai envie de voir casser des trucs. Je paierai pour ça, hein. Je paierai pour ça. Mais combien de subs il faut que j'offre? Ça va devenir une OP, hein. Ça va devenir une OP. Je lui ai proposé 500 subs pour qu'il finisse Getting Over It en moins de 15 heures. Mais là, si je monte au-dessus de 500 subs, ça va être une OP. Et je suis pas payé par Getting Over It, moi. Fixe un prix, côté. Il va faire le prix, il va donner son prix, mec. Alors, chez la Kaneto Corp, voici nos tarifs. Mais n'empêche que ce serait pas trop drôle de sponsoriser genre un autre streamer. Un streamer qui sponsorise un autre streamer tellement qu'on est à court de contenu. C'est incroyable. Les gars, moi quand je regarde les streams de la Kaneto Corp, les gars, je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. Genre, je regardais l'autre jour, là, Rocket League. Putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vraiment, j'aime pas Rocket League. J'en ai rien à foutre. Mais putain, c'est un truc de ouf. L'engouement, la solidarité que tu... Tu vois, tu sens cette solidarité dans la Kameto Corp. C'est pas Kameto Corp, c'est Carmine Corp. Mec, cette putain de solidarité. Regarde, c'est ouf. Quand tu les entends hurler dans le stade et tout, c'est ouf. Moi, le prochain, je pense que je viens. Là, il m'a invité. Bah, de toute façon, j'avais le Covid, donc je ne pouvais pas venir. Mais prochain KCX, je pense que j'y vais. Ça doit être de la bombe. Ça doit être assez impressionnant, quoi. Assez impressionnant. Bon. Ayoji, merci, 4 mois, merci les gars pour les subs, les subs, bienvenue. Bon les gars, moi j'ai pas lancé mon live à 13h30 pour ramasser des bacrettes, mais j'ai ramassé du cuivre, ramassé du minerai d'argent. Non, Chichouné, maintenant les gars, venez, on le fait ce soir parce que les gens ils vont m'engueuler après. Tu sais, genre, et là vous êtes là, mais les gens ils vont m'engueuler après. Tu sais, si ce soir ils arrivent et ils font « Quoi ? Le live a été lancé avant ?» Oui, tu me suis pas sur les réseaux sociaux, tu me suis même pas sur Twitch, et après tu viens de plaindre parce que j'ai pas lancé mon live, j'ai lancé mon live à 13h30 un dimanche. Bon, fallait être là, mon frérot. Oh my god, j'ai une idée, Locke. On vous met tous les deux sur une série de maps Mario Maker et on voit qui arrive à finir la série de maps en premier. Alors, bravo, super, tu m'as volé mon idée. Kamel, je lui ai proposé. Je lui ai dit, écoute, on fait Jump King, on lance en même temps le jeu, ok? Et on décide, hein, tu sais, parce que le jeu, il va tellement nous prendre du temps et ça. Et le premier qui a fini, il a gagné. Donc, t'as volé mon concept, en fait. Côté, t'as volé mon concept, bravo. Sauf que Jump King, frérot, Jump King, c'est pas Mario Maker. Là, Jump King, on va mettre environ 40-50 heures de jeu pour finir. Et donc, en gros, on prend le temps qu'on veut. Tu vois, si je veux lancer le stream le lendemain, tu sais, on fixe juste une date où on commence à cette date. Et s'il a envie de faire des 24 heures dessus, il fait des 24 heures dessus. Hein. Moi, je ne les ferai pas. Hein.
Moi, je les ferai pas parce qu'il y a les veines de mon front qui vont exploser, tu vois. Genre les veines, mes cheveux, les trucs, il y a tout qui va exploser. Donc en gros, moi, tu vois, je prendrai mon temps. Et nique sa mère, quitte à perdre. Mais voilà, on peut faire ça, tu vois. Et c'est le seul moyen pour que, que j'ai trouvé de faire jumping. C'est le seul moyen. Mais Mario Maker, c'est vas-y, hein, je suis chaud. Je suis chaud que t'es. On lance en même temps et premier qui finit, il a gagné, tu vois. Et après, on challenge tous les streamers et on fait ça pendant le mois d'août parce qu'il n'y a rien à faire. Jumping, il a trop peur du jeu lui aussi. Ah, mais moi j'ai trop peur aussi. Hein. Mais je pense qu'en tant que streamer, à court de contenu, au mois d'août, je pense que c'est une bonne chose à faire. Vraiment, mec. Y a rien. Y a rien. Eh, hey, il a fait The Last of Us, God of War, des trucs comme ça? Il a fait aucun jeu solo sous Tuklord. C'est ça le problème avec League of Legends, mec. Il a fait ça? Il a fait The Last of Us 2 et tout? Qu'est-ce qu'il attend? Il a fait As Dusk Falls, là, le PowerPoint. Ah si, il a fait, ok. Il a fait le jeu PowerPoint, frérot, mais pourquoi il fait pas les bons jeux? Montage incroyable, Spider-Man. Ah, ben, je les ai vus. Skyrim, il a fait 5 heures dessus, on s'en souvient encore. Bah mec, moi j'aurais fait pareil. Et The Witcher, tu vois, c'est pareil, j'ai fait 5 heures et j'ai arrêté. En fait, Kamel et moi, on a à peu près le même profil de gamer. On aime bien quand ça s'emboîte rapidement et que, tu sais, genre ça va droit au but. On n'aime pas quand les trucs mettent énormément de temps à s'établir, tu vois. Il a fait plein de jeux comme ça, ok. Et mec, genre The Witcher, j'en suis sûr que c'est un putain de jeu, mais mec, c'est... Joue à visage, tu vas souffrir. Ah ouais? J'ai jamais fait visage. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait visage. T'as joué au God of War? Non, je vais le faire là, je vais le faire justement. Critique pas Skyrim. Oui, t'inquiète pas frérot. T'inquiète pas, je vais pas critiquer ton porn préféré, frère. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, non, Skyrim, je sais que ça touche à votre gag et je ne critiquerai pas. Hein. Je sais que les modeurs sur Skyrim, vous adorez illustrer ce jeu. Zalis, merci, 34 mois, merci Marco pour les 12 mois, tiers 3, mon ami. Tiens, 11 mois, merci Apple Team, 4 mois, merci Jarodas, 24 mois, merci mes bébés. Google a fini Jumping en 6h30. Non mais attends, Google, déjà il a déjà fait, d'accord. Il a déjà joué, il a fait l'intéressant, d'accord. Il a fait l'intéressant, Google essaye de faire l'intéressant. Ok. Il essaye trop de faire l'intéressant, c'est tout. D'accord. Arrêtez un peu. Rina, 19 mois, Kikaka. Kikaka, 13 mois, merci mon pote. Alfragas, 8 mois, bientôt le B. Merci les gars pour les subs que j'ai zappé, hein. Je vous embrasse très fort, merci les gars. Eh, 4000 tables, t'as pas offert des subs là aujourd'hui. Putain, si je t'ai oublié, j'aurais le seum. Kakashi, 9 mois, bébé VIP, merci mon pote. Franchement, pourquoi géométrie d'âge, c'est moche. Attends. C'est pas un jeu rétro gaming ça? Eh frérot, excuse-moi d'avoir touché ton jeu de cœur, d'accord? Mais il y a des jeux qui sont instreamables, ok? Il y a des jeux qui sont instreamables. Comme géométrie d'âge. C'est vraiment le parfait exemple d'un jeu qui est instreamable. En fait, faut pas oublier quand tu streams qu'il y a des gens qui te regardent, ok? Et du coup, des gens qui attendent du contenu, des trucs stylés ou jolis à regarder. Pas des pixels à l'écran qui s'excitent dans tous les sens! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bibi, il a stream. Bibi, il a stream, joue au Smash. Ah, le fou. Et il est trop si gentil. Si tu n'as pas de contenu, joue à Space Engineer. Oh, on piche. Oh. Mec, quand il y a ingénieur dans ton jeu, bah, tu divises tes ventes par 4. Et si je mettais ingénieur dans mon jeu? Divisé par 4. Les ventes. Hop là, divisé par 4. Trop compliqué, trop complexe, ça sonne mal, j'ai pas envie d'y jouer. Jeu et ingénieur, allô quoi. Genre allô. C'est terrible. Genre mec, genre j'ai envie de faire ça, tu vois. Même si je vais trop bien, pourquoi j'aurais un jeu d'ingénieur? Forever 5 subs, merci pour le sub goal mesdames et messieurs, merci beaucoup. Installez-vous. Nathan, 19 mois. Kakumei, 19 mois, sub 2 mois. Bon,
Donc j'ai essayé God of War mode. Le plus difficile, franchement, si t'arrives à finir le jeu avec Je te respecte. Je suis allé jusqu'au premier gros boss. Alors, God of War en extrêmement difficile, il est dur, non? Je le ferai pas, je pense. J'ai pas envie de passer genre 50 heures de plus sur un jeu qui va normalement durer 30 heures. J'ai pas envie de passer 50 heures de plus juste parce que je prends cher, tu vois? Genre, c'est un jeu de narration, etc. J'ai envie de narrationner, tu vois. J'ai pas envie de me faire perforer le cul, frérot, pendant... Trop dur, tu prendras pas de plaisir. Mais attendez, les gars, est-ce que God of War est comparable à Elden Ring? Parce que Elden Ring, on est d'accord, c'est plus dur que God of War. Donc, si je gère Elden Ring, est-ce que je vais gérer God of War ou ça n'a rien à voir? Aria, Doxy, 2 mois, merci. Merci de continuer à l'aventure avec nous. Lucas, 6 mois, merci, mon pote. Incomparable. Bah les gens disent oui là, il y a beaucoup de gens qui disent tout et oui. Donc si je suis bon, je suis meilleur. Joue à Multiversus Cake Lord. Mec, j'ai essayé Multiversus, j'ai essayé et j'aime bien le jeu, mais je sais pas. Est égal à Casu, mais même pas frérot, même pas mec, ça va plus vite et tout ça que Smash Bros et tout, mais bon les gars, il est l'heure de dormir, vous êtes prêts? Il est l'heure de dormir. Eh, vous êtes prêts à dormir? Je vous jure, il m'a tellement donné envie d'y jouer, ce bâtard. Alors, chat, le premier vote. Le vote. J'ai un vote très important, maintenant que vous êtes tous là. J'ai un vote très important. Dans Subnautica, il y a deux modes. Il y a le mode normal. Log trop pressé de te voir à la PGW. Giga Chad. Pareil, frérot. Pareil. J'espère juste que vous n'allez pas faire 3 heures de C'est camp pour moi. Iou. Iou. Iou, 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 Excusez-moi, je me. J'ai une crotte de nez qui vient de pop dans mon nez. Tu sais, elle vient de pop, pap! Elle vient de sortir. Ça va? Merci, Supreme, pour les invites. Merci, Rick, pour les 2 mois. Merci, mon pote. Donc, j'ai une question à vous poser. On va faire le vote. OK? Le vote. Est-ce que il y a un mode normal, le mode normal, tu vois, difficile, machin, machin? Ou est-ce que je fais le mode extrême où si je meurs, ma partie est Je pense qu'aujourd'hui, je pense sincèrement, j'ai aucun mode cheaté ou quoi, tu vois. Je pense que je peux le faire en mode extrême. Mais il y a des moments où ils sont très chauds. Il y a des moments très chauds et tu peux mourir vraiment bêtement. Et sinon, ce qu'on peut faire. Non, lance pas le vote. Annule le vote. Annule le vote. Il y a un troisième vote. C'est qu'on dit que je suis en mode extrême. Donc, quand je meurs, si je meurs, je mange un giga gage. Tu sais? Je mange un gage, j'en sais rien, tu sais, genre. Tu sais, pour continuer à jouer au jeu, il faut que je fasse un truc de zinzin. Tu vois? Donc, je sais pas. Parce qu'en fait, genre, c'est chiant de si je meurs bêtement, que ma partie soit delete et qu'après je recommence tout en stream, parce que c'est pas très divertissant de voir un mec recommencer tout ce qu'il a fait. Surtout que là, il y a beaucoup de farm, etc. Mais sinon, on dit que je suis en mode extrême. Et si je meurs, il faut que je fasse un truc de zinzin pour, je sais pas, tu sais. Sans pompe ou sans sub en normal. Ok, donc là vous votez tout ça. Ok. Mais je vous l'annonce tout de suite, je vais jamais mourir. Ok? Je vous l'annonce tout de suite, je vais jamais mourir. Et en fait, c'est juste, j'ai pas trop les balls en stream de le faire. En extrême. Parce que si je meurs une fois, en fait, j'aurais trop peur de vous réinfliger tout le farm, en fait. Genre vraiment, le farm que je vais vous réinfliger, il est...
Imaginez-vous, je meurs au bout de 20 heures de jeu, en extrême. Imaginez-vous. Imaginez-vous, les gars. Genre là, j'ai 20 heures qui s'évaporent de stream. C'est pas... C'est ça le blème, en fait. On met quoi comme gage? Moi, j'en sais rien, là. Les seuls trucs que vous avez réussi à proposer, c'est des pompes ou des subs. As-tu fait Subnautica 2? Ouais, mais il est nul. Le Subnautica, il est au zéro. Il est vraiment moins bien, quoi. Fallait lancer à 14h pour avoir un nombre normal de votants. Qui est-ce que tu racontes, toi? Pourquoi? Parce que les bots sont arrivés, ça? Je fais quoi comme gage, les gars? Jump King? Jump King, c'est le gage? Si je meurs, je dois faire Jump King? Ah, ça, c'est un sacré gage! Enlève le vote, c'est bon, on a compris, merci. Une vidéo ASMR, je devais en faire une, les gars, mais c'est tellement cringe. En plus, je serais trop bon en ASMR, les gars. Je serais, mais trop bon en ASMR. Les gars, je serais, mais incroyable. Regarde un peu. Écoute un peu. Écoute. Écoute. C'est pas comme si on t'avait pas déjà vu pendant 20 heures dessus, kappa, kappa, kappa. Écoute un peu l'ASMR, mon frérot. Oh, c'est le scratching que j'adore. S'il te plaît, arrête de tergiverser et lance Subnautica. Oh, deux secondes, je suis en intro! Je sais pas combien de temps je vais tenir. Non, je serais vraiment fort en ASMR parce que j'adore l'ASMR. Donc ouais. Une mort est égale à 30 minutes de Jump King. Ah, j'aime bien ça. 15 morts est égale à Jump King. Non, mais frérot, je vais jamais mourir. Mec, en fait, la question c'est est-ce que je vais mourir une fois? Je te dis la vérité, hein. En fait, aujourd'hui, j'ai tellement d'expérience sur le jeu que j'ai jamais joué, hein. J'ai jamais joué. Donc, on sait pas. Ok, sinon, si je meurs, je fais un live sans casquette. Ok. Mets un vote, s'il te plaît. Si je meurs, un live sans casquette ou Jump King. Ça vous va? C'est nul. Pour toi, c'est nul. Pour moi, c'est chiant. S'il moi, c'est méga chiant. RSHHSCRSHSHSHSCRSHSHHSCRSHHSHSCRSH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 HS
se cache nauséabonde au quotidien. Moi aussi j'ai envie de jouer à Monopoly, yo. Anti-modo. Joue à Monopoly. Il a pas joué à Monopoly, frérot, il est allé direct sur Somnulka. Il a fait 6 heures dessus. Eh hey, les gars, il a fait 5 heures dessus et il a pas sauvegardé une seule fois, putain. 5 heures dessus, il a pas sauvegardé une seule fois, il a perdu toute sa save. Oh là 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 là, il a perdu toute sa save. Oh les gars, il doit être dégoûté. Il doit être dégoûté. Bon, allez, moi c'est bon, j'ai pas lancé mon live à 13h pour ramasser des pâquerettes. Mesdames et messieurs, clac clou clac clic clac clou clac clic clac clou 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 clou. Ma toute première fois, mesdames et messieurs, sur Somnautica, bienvenue à tous. Il est l'heure de découvrir ce jeu. Il paraît que c'est un jeu formidable, l'un des meilleurs jeux de survie au monde. La grande découverte, elle commence maintenant. Ça court. Oh, waouh. 3, 2, 1... Qu'est-ce qui se passe? Séquence de lancement active. Je vois quelque chose à travers la fenêtre. Un feu d'artifice. Oh merde! Donc de la musique. Ouais, 2 secondes, frérot. Les casseroles. Ah! Tu as partagé la liste des mods pour le faire avec toi? Non. Bon, j'ai mis 3 heures à aller chercher, vous allez chercher vous-même. Attends, mais c'est du infected mushroom. C'est du infected mushroom. Je vais monter comme ça et je pense la musique comme ça, mais après, elle est assez forte la musique. Je l'ai assez fort. Oh waouh! Coupe le son là, coupe le son. Vous voulez plus de musique? Clic clac. Oh wow. Hey hey. Oh wow. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for details. Vous lisez, hein. C'est en français là, vous lisez. Good luck. Eh, vous lisez. Une mort, la Sensio Max ou 5 de FOV. Attends, mais t'es sérieux là? 5 de FOV? Non mais mec, t'es... Attends, toi t'es en plein délire. Oh waouh! Ah non mais mec, c'est pas streamable mec, arrête un peu. Je pense que 90, j'ai l'impression que c'est un peu too much, mais... je vais être à 80 les gars. Parce que 90, j'ai l'impression que c'est un peu too much. Parfait. Oh, oh wow. Oh, oh. Quel est mon objectif? C'est quoi mon objectif? C'est vrai que les objectifs sont pas très bien définis. Oh, un requin! Oh wow! Briseur de l'affleurement. Ah, y'a un tuto, frérot. Attends, mais merde, du coup, faut que je sois là. C'est pas ce bruit. Y'a un tigre. Oh, waouh. Oh, waouh.
Combien de temps je vais tenir, les gars? Combien de temps je vais tenir comme ça, les gars? Oh, waouh! Oh, waouh! Non, hey, les gars, hey, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, les gars. L'univers est juste imbattable. Attends, mais il y a des bombes. C'est imbattable, c'est imbattable. Soyons honnêtes. New creature discovered. C'est quoi ça? Siglid. Mais c'est tout ce qu'il y avait comme tuto? Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Vous lisez, chat, hein, c'est pas mon problème. Je vous dis, hein. Moi je connais pas. Hein. C'est ma première fois. Non, les gars, c'est imbattable. Je vous le dis, c'est imbattable. C'est imbattable. C'est imbattable. Personne ne peut battre ce jeu. Oh, waouh. Une grotte. Oh, waouh. Oh, personne ne peut battre ce jeu, je vous le dis. Personne. Personne. Attends, mais je vais pas m'en sortir là. L'oxygène. C'est le meilleur jeu, frérot. J'ai prié tous les jours pour te revoir dessus. Mais mec, genre, comment ça revoir? Oula. 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 Non, non, mais attendez, non, c'est pas possible. Non. T'as imaginé, je meurs la première seconde, frérot. Mais PZM, pro gamer, putain. Pro gamer, putain. La classe. Bonsoir, monsieur. Rien à foutre. Petite astuce pour les noobs, ce sublicat je crois qu'il est gratuit sur le Game Pass, ok. Et vous pouvez utiliser l'extincteur pour gagner en vitesse. Petite astuce qui vient de me sauver la vie, comme vous pouvez voir. Un vrai pro, ça c'est cool aussi les débris. Mais ça prend beaucoup d'espace dans votre inventaire, mais ça rajoute 3 de titane je crois. Donc voilà. Mais là ce qu'il me faut que je trouve, c'est de l'argent, comme d'habitude, hein, comme dans la vraie vie. Ce qu'on cherche en priorité, c'est de l'argent. Parce que, comme quand tu lances ton live, tu vois, la priorité, c'est de trouver un peu d'argent dans le porte-monnaie de tes viewers. Il faut que tu ailles choper un maximum d'argent. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de trouver. Le mode pack. Je vais vous montrer un petit peu les modes que j'ai, il n'y a pas de souci. Oh waouh! Oh waouh! Oh des boules! Une boule! Ouf! Je peux la ramasser? Oh waouh! Oh waouh! C'est ma toute première fois, hein, sur Subnautica, les gars. Donc soyez indulgents. Là, je vois des créatures et tout. J'ai très peur, les gars. C'est très angoissant d'être dans l'eau. Donc soyez indulgents, les gars. Ok? J'ai vu Kamel y jouer, les gars. Je vais voler son contenu. J'ai volé son contenu et c'était très frustrant de voir un jeu sur un jeu de farm où il farmait pas. Très frustrant. C'est, les gars, d'autant plus frustrant de savoir qu'il y a un mec au lieu de crafter des trucs, courir dans tous les sens. Voilà, ça m'a l'air, voilà. Oh, quel est mon objectif? Le scanner. Donc vous voyez là, il crafte la batterie à la place. Il craft la batterie à la place. Hop là, voilà. On se fait la petite gourde à oxygène. On se fait une lampe pour vos yeux. Il faudrait que je me fasse à bouffer aussi, c'est bon, la cloupe. Voilà la lampe qui va vous régaler, les gars. Lui je vais le bouffer tout de suite. Clac. Est-ce que je me fais une bouteille d'eau? Vas-y, pourquoi pas. Après il faut les... Je crois qu'il faut les garder, les pochons.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Est-ce que je peux faire autre chose? La fusée, on s'en bat les couilles. La caisse, je vais la faire. On va faire des petites caisses, les gars. Comme ça, on va pouvoir... on va pouvoir effectivement bien progresser et sans avoir 10 000 trucs dans son sac. Parce que le blême, en fait, c'est qu'il y a des gens comme Kamel qui ont 10 000 trucs dans leur sac et c'est méga chiant. Il comprend super vite pour un mec qui n'a jamais joué au jeu, impressionnant. Merci, mec. N'hésite pas à claquer ton Prime. Moi, c'est la première fois, mais bon. Après, c'est pas mon premier jeu de survie. Donc, en gros, c'est... je suis assez connoisseur dans le milieu des jeux de survie. Donc voilà. Oh bah tiens, j'ai déjà plus de titane, attention. Attention à ça, hein, attention à ça. Attends, là j'ai fait des caisses, alors du coup je vais sûrement pouvoir les poser comme ça. Oh waouh. Oh waouh. Là j'ai fait des caisses comme ça. Oh waouh. Je peux poser les caisses là comme ça, ok. Ça je peux le mettre en 3, 4... Oh waouh, comment je comprends vite. Et ouais, c'est aussi la force de Subnautica, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment un jeu genre... c'est vraiment un jeu genre très intuitif. Genre là j'ai un scanner, bon bah voilà, c'est évident que je dois scanner des trucs quoi. Voilà, c'est assez évident pour moi. Voilà quoi. C'est très fort. Oh waouh. Alors je vais faire un petit stock de champignons aussi. Comme ça, parce que ça c'est pour les batteries. Et comme ça j'en aurai. Bon après je crois que c'est de l'espace gâché un petit peu, parce que les champignons vaut mieux les ramasser quand on a besoin, je crois. Mais au moins on aura ça. Ok. Et là ce qu'il va me falloir, c'est que j'aille un petit peu plus profond et que j'aille chercher des belles choses là. Si je peux avoir mon sandwich. Hein? Pourquoi? S'il te plaît! S'il te plaît, ma femme, chérie, est-ce que je peux avoir mon sandwich? Car je travaille, travaille de manière assez tôt aujourd'hui. Donc je mérite un sandwich. Un sandwich. Un sandwich. Oh, un pochon. Oh, un pochon. Allez, fais-lui, j'ai peur. Très angoissant. Très très angoissant là. Jack, je vais mourir. Oulala, 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 j'aime pas. Ou Siglid, Siglid. C'est quoi ce Siglid? C'est quoi ce Siglid? Oulala, 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 oulala. Ouh, wow. J'aime bien la musique, elle rassure. La musique est à peu près rassurante. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas m'attaquer? Méduse de merde, bah, putain de méduse de merde qui me casse mon plaisir, qui me nique mon expérience de surf, qui nique toute mon expérience maritime d'ailleurs. Fuck ces putain de méduse de merde, ça me casse les couilles ces méduses. Elle me casse les couilles. Elle me casse les couilles, ces méduses de merde, je vous jure sur ma vie. Pire, pire animal, pire infect. C'est plus sa merde, je vous jure. Waouh. Putain, cet univers est incroyable. Merci les gars pour les subs, les subs, merci beaucoup. Je suis très concentré parce que j'ai peur de la mort là. Je suis seul au milieu de l'océan, j'ai rien et j'ai très peur. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous donner ta liste de mods? Mais j'ai pas de mods frérot, je suis pas un cheater. Pourquoi vous me parlez tous de mods les gars? Je suis pas un cheater. Arrêtez un peu les gars. Eh, vous voulez cheater et ruiner votre expérience, c'est pas mon problème les gars. Eh, c'est pas mon problème hein. Vous voulez cheater et tout, c'est pas mon problème les gars. C'est pas mon dos. Ok. Les cheaters là.
cheater de merde. Eh oh! Salut toi. Viens que je te scanne le cul. Viens dans mon sac là, vite. Hop là, dans le sac. Il y a quelque chose là. Oh! J'aime pas trop beaucoup ça là. Je suis déjà venu ici, non? Énergie 79%. Non mais vraiment là? Ma torche elle va s'éteindre. Ah, il y a des bruits bizarres. Vous savez ce qui m'a énervé aussi, les gars? Ce qui m'a lourdement fait tilt. Kamel, il a pas peur. Kamel, je lui fais faire un tour en plongée, les gars, je vous jure. Je vous jure, il flippe. Eh, Kamel, il vient faire un tour de plongée avec moi, les gars, je vous jure, il flippe. Mais tu sais, genre, il a pas peur sur ce Nautica, tu vois. Et après, il disait, ouais, j'ai pas peur de poisson et tout, mais t'es fou. Frérot, je t'emmène faire un tour de plongée, là, tu vas voir un requin blanc devant toi. On va voir si tu vas pas te pisser dessus. Il est fou, lui, ou quoi? Il est complètement fou. Orti Nervunet. Waouh. Oh, waouh. Jackpot. 33%. J'ai bloqué Xian. Oh oui. Oh oui. Allô. 15%. Alors, vu que je suis en mode maximum, y a pas les délires d'oxygène. Oh, c'est quoi ça? Oh putain. 19 mètres. Je vais pas y arriver. Ouf. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Si voyager. Oh waouh. Si voyager. Si voyager. Hop là, dans le sac. Oh, l'univers est incroyable. L'univers est incroyable. Les gars, pour mon premier ressenti sur la première fois de ma vie sur ce jeu, les gars, je vous le dis, c'est assez choquant et bluffant même. Dans le délire, les gars, c'est bluffant. Je pense que c'est le meilleur terme que je puisse utiliser. 30 seconds. Putain, mais 30 secondes déjà, ça me fait chier là. 30 secondes d'oxygène là, putain. J'ai pas le temps de m'amuser là. J'ai pas le temps de m'amuser! Oh, putain, je suis mort. Oh! Attends, je crois que je suis vraiment mort là! Oh putain, je crois que je suis mort! Non! Oh, je suis chaud quand même. Quand même. Il me faut de l'argent, Un sub de sub 3 sub. Un sub de sub 3 sub, les gars. Pour de l'argent, merci. Un sub de sub 3 sub. De l'argent. Merde, j'ai plus de stock. Oula, j'ai plus de fuel. Oulala, j'ai plus de fuel. Ok, donc là je peux plus me sauver la vie avec l'extincteur. Là, ça va être chaud. J'ai plus l'extincteur, les gars, ça va être terrible. Ça va être vraiment terrible. Putain, je suis allé méga loin. Les gars, je peux me faire croquer à tout moment. À tout moment, là, il y a un truc qui peut me croquer. Fais/home.
Oh putain, putain. Il faut que je scanne, les gars. Mais reviens, débile. Ah. Hop là, requin. Moi, j'ai pas peur des requins. Il faut plus de titanium. Ah merde, j'avais beaucoup trop de poissons sur moi. Merde. Merde. Ok. Toujours rien. Je peux toujours rien faire. On va faire ça. Les créatures vraiment dangereuses se trouvent en profondeur dans les zones précises. Attention, le spoiler et le backseat, c'est ciao. Attention, hein. Attention. Attention. Voilà. Voilà, attention. Attention. Ah mais j'ai 13 mois, merci mon pote. Pourquoi vous mettez des cakes W? Je peux savoir pourquoi vous mettez des cakes W, les gars? T'avais pas honte? C'est la première fois sur le jeu, les gars. Là, je crafte un peu tout, les gars, l'histoire de développer un petit peu mes connaissances dans le jeu. Oh yes! Batterie haute capacité. Caoutchouc en silicone. J'ai besoin d'eau là. Ça va être très chiant. Ça va être très très chiant l'eau, les gars. Ça va être très très chiant. Oulala là là. Il faut faire attention. Il faut faire très attention, les gars. Il faut faire très attention là. Très très attention. Alors là, il faut absolument que je trouve du silicone. Excuse-moi, frérot. Mais y a des gens qui bossent ici. Hé hey. Ok, c'est parti. Attends, j'avais pas scanné ça là. Il faut que je scanne des suaglades. Oh, je sais faire un suaglade. Je sais faire un seaglide. Pipé. Donne-moi ça. Argent. Yes. Vigne d'orine. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Il y a des pilules jaunes. Des pilules jaunes, il y a sûrement des pilules Mad Monk là-dedans. Des pilules Mad Monk, j'en prends plein. New blueprint acquired. Si voyager. 4 sur 6. Putain, ça en prend de la place là, les Mad Monk. Eh, ça en prend de la place, les Mad Monk là. Oh! J'ai peur. C'est très angoissant. Qui c'est qui est thalassophobe, les gars? Qui a peur là? Spookenji, 36 mois, merci Sandwich, 23 mois, merci Jibouboulé, 26 mois, merci Otok, 17 mois, merci les gars. Putain, il bouge mes caisses en fait, genre. Les gars, chiant le mec. Ce qui est bien, c'est que j'ai deux d'argent là. Et ça, c'est assez rare.
le Seaglide qui part. Eh ouais les gars, Seaglide, les gars. Oh wow. Et chat, chat, vous savez que j'en ai un IRL. J'en ai acheté un IRL. Oh les palmes. J'en ai acheté un IRL les gars. Un Seaglide. Vous voulez que je vous le montre? Oh le couteau. Je vous ferai une story, je vous ferai une story. Du lubrifiant. Is essential in construction of vehicles and power plants. Intéressant, kit de câblage. Putain, deux argent, mais c'est cher, c'est cher, c'est cher. Oh, attends. Oh, de l'or, fil de cuivre. Et il faut que j'aille couper des corails. Eh mais attends, mais ça je peux le faire ça, non? Oh putain, j'ai déjà le haut de capacité les gars, let's go baby! Ah, il faut que j'aille couper des corails je crois. C'est pas bien de couper les corails. Tiens, je vais réparer ça en attendant. Oh waouh! Oh waouh! Let's go! Oh putain, le masque! Combien? Une opération de sauvetage sera dans 9 heures. Ça fait combien d'heures? Ça fait combien d'heures, les gars? 9. Ça fait combien d'heures? Faut des corails là! This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Il y a des noobs qui se font tuer là. Faut que j'aille les sauver. Il y a des noobs qui se font tuer les gars. Faut que j'aille les sauver. Ouh là là, mais attendez. C'est que j'ai un Seaglide là. Non, ça 3, 4 et 5. Oula. Oh waouh. Ok. Excusez-moi mesdames et messieurs, là ça va être l'heure de négocier le sandwich qui est dans ses mains. Il va falloir le mériter mesdames et messieurs. Est-ce que je peux avoir mon sandwich qui m'est dû en vue de mon travail dimanche après-midi à 15h15? Au pied? Pardon? Tu veux parler comme ça en stream? Je veux parler comme ça en stream. Et madame, vous êtes une femme. Ah! Aïe! La femme, allez, c'est bon. Merci. Pas, c'est pas compliqué. Oh là 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 là, regardez-moi ce traitement. Arrête, c'est un sandwich. Il détend-toi. Sans bombard, cornichon. Tu me dégoûtes. Jean bombard, cornichon.
Alors, quel est mon objectif? Allô? Oh, mon objectif! Mais avant, il me faut des corails! Il me faut des corails, les gars, avant! J'aime pas quand il n'y a pas de musique, hein. J'ai peur. Ça se voit, ça. Corail, hein? Oh putain, il y en a beaucoup! Il y a beaucoup de corail! Ok, let's go, les gars! Est-ce que c'est celui-là où j'ai de la place? Parce que là, putain, il va me falloir. Oh merde! Donc là, on a un mode par exemple qui permet de remplir les stocos. Et après, tu les mets dans ton sac, comme ça, t'as plus de stocos. Ok. Il faudrait un autre extincteur. Attends, mais du coup, là, j'ai des. Oh oui! Circuit intégré là, c'est pas mal. J'ai utilisé mon or. Kit de câblage avancé. Ah, il me faudrait ça, les gars. D'urgence. Mais maille en fibre, je peux pas. J'en ai pas encore. Comment ça, j'ai pas les mailles en fibre? Hein? C'est inadmissible! C'est inadmissible! Ah, putain, j'en fous partout. Oh putain, qu'est-ce que je vais vite, c'est... Quel régal. Ah, il va falloir que j'aille crafter, les gars, vite fait ça. Il va falloir que j'aille crafter ça. Je sais qu'il faut que je speedrun un petit peu, mais il va falloir que j'aille crafter ça. Oh putain, 5 sur 6. Le CA voyageur. Oh, Altera 6 voyageur. 148, ok. 135 déjà d'oxygène. Mais putain, je suis genre pro gamer, mec. Pro gamer. What explose, gros con, va! Piège à gravité? Oh, balise! Let's go! Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Elle scanne des trucs là! Ah, yes! Bayas, t'es déjà beaucoup plus avancé que Kamel en 6 heures. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard, putain. C'est pas cool, frérot. Chacun sa vitesse. Argent. Yes, de l'or, let's go baby. Un sub, deux sub, trois sub, les gars. Yes. Mec, les gars, il me faut de l'oxygène là. Y'a pas un petit cheat là qui traîne, les gars? Pas d'oxygène infini. Je vais me faire la grotte là. Plomb, argent, let's go, il me faut beaucoup d'argent. Un sub, deux sub, trois sub, les gars. Merde, inventaire plein, putain. Le cuivre est passé où? J'en sais rien, je m'en branle. Absolument. De l'argent, un sub, deux sub, trois sub. Oxygen.
Ok, il faut vraiment que je fasse gaffe les gars, parce que sinon je vais crever bêtement. Ouais, ce qui est bien, c'est que là j'ai le casque les gars. J'ai la maille en fibre. Let's go. Balise, piège à gravité. Ah vas-y, une balise ça coûte rien. On va faire une balise. Piège à gravité, je sais pas. Artifice pour attirer les ennemis légers et les petites créatures. Je sais pas les gars. Oh putain! Oh waouh! Constructeur d'habitat! Attends, est-ce que je fais le recycleur avant? Ou constructeur d'habitat? Vas-y, elles sont ouvertes. Oh là là! Constructeur d'habitat! Oh putain! Il faut de l'argent! Un sub de sub, trois sub, les gars! Oh! Faut de l'eau, je vais cramer des pochons un peu. Merci pour les 5 subs, merci mon bébé! C'est à toi! Ok, je vais prendre le kit. Ok, là normalement j'ai un peu vidé mes ressources, j'espère. Je vais boire ça. Parce que là, l'eau les gars, ça commence à serrer là. L'eau ça commence à serrer les gars. Et j'aime pas trop beaucoup ça. Maintenant j'ai mon constructeur en 7. Je vais pas le mettre en 7, je vais le mettre en 6 parce que c'est trop loin. Merde. 5 et 6. Et ça on va le mettre en 0. Ok, let's go. J'ai le constructeur d'habitat, les gars. Oh, waouh. Oh. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh, waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des nouvelles choses. Oh, yes, la radio. Oh non, du plomb, non. Non. Pas du plomb. Qu'est-ce qu'on a? Receiving pre-recorded distress call, laying back. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Il y a des gens, ils veulent mon aide là. Oh yes, le jour se lève. Putain, let's go. Vous voyez, j'ai un mode, les gars, qui fait qu'il tire tout dans les sacs à proximité. Donc c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment stylé. ~400 et ~500. On va commencer comme ça. Et ça, c'est vraiment pratique. Je pense que Kamel, il aurait adoré avoir ça. Parce que du coup, t'as pas besoin d'aller chercher dans des coffres. Tu les as déjà. Autant que ça craft, tu vois. Genre, tu les as déjà. Donc, pas besoin de passer par 50 chemins. Frérot, craft le truc, quoi. Argent. Let's go. Cochon, j'ai besoin. Oh putain, il y a des putains de méduses, frérot. Putain, B de véhicule mobile. Oh, oh putain.
fait des putains de méduses. Oh les méduses, oh les méduses, comment elles vendent. Comment elles vendent la mèche. Tiens, je suis obligé d'y aller. Il y a des méduses, c'est une affaire personnelle. Déjà 69% déjà. Non mais c'est trop. Eh hey, fuck les méduses. C'est une affaire personnelle moi. Moi je vous le dis moi. Qu'est-ce qu'on a là? Je dois les scanner là les javelons pendus. A common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Attends, vraiment là? Il y a des gens, ils se perdent dans les grottes. Ils sont nuls à chier, c'est pas possible. Ils se perdent dans les grottes, vraiment être un gros noob. Hein. Allô? Je suis où? Allô? Ok. Ah, c'est une bonne grotte. C'était une bonne grotte, en effet. Les grottes méduses, c'est pas mal. Ah vas-y, je vais aider l'autre là. 200 mètres. On va, je sais pas, on va faire une liste les gars, on va faire une liste. Mais là, je suis pas prêt à donner la liste. Pour les mods, je vais vous donner la liste. Pour le moment, restez jaloux. Ça me va. Il y a une bombe là. Bioréacteur! Oh wow! 90 mètres la grotte. Simos! Simos! Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que vous faites, messieurs? Wow! Wow, ça va? Eh oh! Capsule journal de bord. Putain, il y a des belles choses. Des belles choses, il me faut des belles choses. Ok. Ah, ça, c'est les belles choses. Voilà. Le sel, on va le prendre aussi, je crois. Je savais pas que c'était du sel, hein. Je savais pas. Je savais pas que c'était du sel, chat. Je l'ai deviné parce que ça ressemble beaucoup du. Découpeur laser, let's go, baby! Putain mec, c'est incroyable tout ce que je découvre là. Salle de scanner? What? Je dois scanner? 49%. Ok. Tu l'as pas ramassé le truc je crois là. C'est quoi ça? Ah, vas-y, je vais sucer un coup. On va sucer un coup. Oh waouh les gars, je m'amuse trop. Je vais mettre ma balise pour la grotte les gars. Ça vaut pas le coup en vrai parce que la grotte est vendue par le... Donc, je vais vous montrer les gars, j'ai une map. Si j'appuie sur... Attends tiens d'ailleurs je vais sauvegarder. Si j'appuie sur M les gars, regardez, j'ai une petite map aussi, c'est vraiment stylé. Donc tu peux regarder, là les grottes elles sont affichées via la map du coup. Donc c'est vraiment vraiment cool, c'est très très propre. Donc en fait, c'est fini l'ère où je cherche les trucs relous. S'il vous plaît, chat, faites un effort. Vous voyez bien que c'est une rediff. Il est 15h30 et la rediff Subnautica est lancée depuis 2h. Arrête! C'est pas vrai en plus! Oh waouh, salle de scanner! Par contre, eux ils me croquent qu'ils me mettent cher ou pas? S'ils mettent cher, mec, c'est chiant, hein! Oh putain, Simos! C'est un mot! C'est un mot, c'est quoi? C'est quoi, mais c'est un mot? Oh waouh! C'est un vaisseau spatial! Oh mais frérot, la taille des grottes! Fragment de véhicule de B-Mobile, let's go! 2 sur 3. Viens ici. Rien ici, 39%. 30 secondes, c'est un petit peu moins du coup. Putain, fais chier, j'ai pas fini d'explorer! Merde! Bande de bouffons à dire que c'est une rediff. Bah après, c'est vrai que faut leur donner ça, frérot. On n'a pas l'habitude de me voir en live à cette heure-là. Ok. Donc là-dessus,
là-dessus, il faut pas trop leur en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très très grave non plus, tu vois. Je pense qu'il y a encore des trucs ici. Je pense que j'ai pas dit mon dernier mot ici. Je sais pas pourquoi, mais ça pue. Alors là. Alors. Frérot, il y a un vaisseau écrasé là. Donne-moi des ressources ou je te bute. J'ai tout sucé les gars. Ah là, y a de quoi sucer là. J'ai tout sucé. Oh putain, let's go. 2 sur 3, je suis à combien là? 65 mètres, 56, ça va. Il faudrait que je suce de l'argent et du plomb, les gars. Parce que sinon, je vais chialer en fait. Argent et plomb là, c'est cela. C'est cela qu'il faut que je chope un max. Le sel, c'est pas mal aussi pour faire de l'eau, je crois. Ça sert à purifier l'eau, je crois, hein. Je crois. Je suis pas sûr, les gars, j'ai jamais joué au jeu, je sais pas. Je sais pas, les gars, j'essaye de deviner, hein. Je me dis, bon, bah, le sel, l'eau, tout ça, tu vois. Bon, il faut que je trouve juste des derniers petits trucs. Il y a un truc, là, caché ici, là. C'est quoi, ça? Eh ouais, je l'ai vu. Ok, les gars, j'ai peur. Oh, il y a une grotte, les gars. J'aimerais bien la faire, là, mais je suis faible. Inventaire plein. Ok, c'est le moment. C'est le moment de dire ciao. Putain, qui c'est qui me fuyette? Ah! Argent, c'est pas mal. Faut que j'y retourne, gars. J'ai trop de trucs. Mais attends, ce serait bien de trouver d'autres trucs là, sur mon chemin là. Ah, c'est quoi ça? Un truc bien. Siglide. Ah! Y'a trop de ressources maintenant, je me casse! 400 mètres, putain. Je suis à fond dans le jeu, les gars. 165 mètres, bon, ça va, j'avance assez vite. Mais là, je vais commencer à faire ma première base, chat. On va faire la première base. Oh putain, les pochons, comment ils régalent. Ah, j'ai plus de thunes. C'est quoi ça? Alors. Rien. Je vais faire ma première base, chat. Tu fais ma gueule, il y en avait juste un. Il faut des caisses. La radio Prio. Alors, qu'est-ce que j'ai appris ici? Je préfère des lingots de plastacier. Le recycleur. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Conserve l'oxygène en plongée profonde. Absorbe et recycle le CO2 en air respirable. Let's go baby! Traduction, let's go baby! Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Putain, je sais toujours pas faire la baisse, sa mère. Ok. Un petit coup de javel. Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. Putain, c'est bien par contre, là je peux faire un kit de câblage avancé, ça c'est vraiment bien. Bon, ça va me coûter cher, les gars, hein, mais bon, c'est chiant. Mais il faut le faire. Alors là j'ai des pochons, les gars. On va faire de l'eau parce que sinon je vais pas tarder à clamser. Javel. C'est quoi de la javel?
Fais les corail, c'est gratuit. Donc là, techniquement, je bois de la javel, les gars. Vas-y, hein. Ok. Ok, je suis chaud. Ok, là les gars, il faut que je stocke parce que sinon mon inventaire il... Là mon inventaire il est relou. Ok, et là les gars, là c'est le moment. C'est le moment, chat. C'est le moment. On va progresser maintenant. En fait, là on arrive au tournant. Là on est au tournant, les gars. Vas-y, je fais une dernière caisse. Non, vas-y, je vais faire un. Ah, est-ce que j'ai envie de faire ça maintenant? Aïe aïe aïe. Eh ouais, bah ouais, j'ai trop regardé le stream de Kamel, c'est un problème. Allez, je fais une dernière caisse, les gars. 4 caisses, c'est bien. 4 caisses, c'est le max. J'irai pas le blême. No base, no save. Giga Chad. Merde, mais j'ai trop d'eau là-haut! On va manger maintenant. Putain, j'ai trop bu. Et merde. Ok. Putain, il fait déjà jour là. Oh, wow. Attends. La nuit est déjà passée là. Oh, mais mec, attends, il y a un bug là. Chat, il y a un bug. La nuit, elle dure 2 secondes. Ou sinon, attends, mais je sais pas là. J'ai un doute. Chat, et dites-moi, comment Kamel a eu le couteau enflammé? Comment a-t-il fait? Chat, dites-moi comment il a fait. Comment ça, comme c'est bizarre? Les gars, hey, j'ai rien touché, j'ai pas de mode là-dessus. Il a trouvé une capsule, l'enfoiré. Tu te fous de ma gueule? Ah, oh, mec, la capsule temporelle, comment elle l'a régalé. Oh putain, c'est ce que j'avais besoin. Schéma Odyssée. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Il a trouvé une capsule, l'enfoiré. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. C'est qui ce dingo là? Boussole, ok, ok. Ok, ok, ok. Bon les gars, il me faut de l'argent. L'argent et de l'or. L'argent et de l'or, les gars. Terrifiant. Terrifiant. Attends, mais la nuit elle retombe là, what the fuck? Non mais, et les gars, y'a un blème là. Chat, y'a un blème. Allô. Ok, je vais faire la bête VEQ mobile et je sais pas si j'ai assez de ressources pour faire le vaisseau spatial. Mais là si j'ai le vaisseau spatial, les gars, j'ai fini le jeu en fait. Ah mais les potions, il y en a masse. Bonjour, je t'aime, frérot. Merci, Melbio, pour les 15 mois. Merci, les gars. Greedy, Tobey, 21 mois. Merci, les gars. J'espère que vous allez adorer cette aventure et épopée incroyable.
J'adore déjà mon épopée. Alors, la boussole. Kit de câblage quand même pour une boussole, ça me pète bien les couilles. Ça me pète plutôt bien les couilles. Ça me pète bien les couilles, moi je vais vous dire. Go multi, le serveur est prêt. Comment ça, tu peux héberger ça sur un serveur? Quoi? Oh putain. Ah tac. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Rien de neuf. J'ai fait du lubrifiant, chat. Et il me faut peut-être une batterie haut de cap. Je sais plus, je sais plus. Waouh! Oh! 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 Altera, a large self-sustaining ship. Je peux faire un bateau? Un sous-marin qui s'appelle Odyssée et un Semos. Je vais faire le Semos. Safe mode of transport. Oh wow! Swimming is good for your glutes and endorphin levels. Oh wow! Hors tension, mais suce ma bite là! Oh! Chargement ses batteries! Non mais attends, mec, y'a un bug! Ma game elle est buggée, les gars! Le jour dure 2 secondes! Ma game elle est buggée, les gars! Le jour dure 2 secondes! Et la nuit aussi! Hors tension, mais suce ma queue! Attends, mais non, mais c'est la bête véhicule qui a tout pompé! Oh waouh! Oh wow! Welcome aboard, Captain. Oh les gars, ça y est, ça part de là. On a un petit mode aussi qui fait que quand on sort que par l'arrière. Ça c'est de la bombe, ça c'est de la bombe. Parce que souvent tu te fais écraser par ton propre simote en fait quand tu sors par l'avant. C'est méga relou. Voilà, c'est parfait ça, c'est parfait. On a le truc, je vais prendre une petite batterie, la radio, clac clouc, une dernière petite batterie. This is Officer Keenan, Lifeboat 19. The captain is gone. Hors tension! The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. 1000 mètres, attends, mais j'ai peur là. J'ai peur de tomber à court de batterie là de mon smart là. Transmission origin coordinates downloaded. Ce serait bien que j'ai de la batterie en fait là. Pas d'énergie, mais suce ma bite enflammée! Putain! C'est parti, mesdames et messieurs! Let's go, baby! Putain, il me faut quand même beaucoup de ressources là, les gars, il faut que je farm. Alors là, comme vous pouvez remarquer, des fois la lumière est blanche, des fois elle est bleue. De manière optimale, elle est. Oh! Oh wow! De manière optimale, elle est blanche, comme ça on voit mieux. Mais sinon, elle sera. Des fois elle sera bleue et c'est chiant. Elle est bleue. Attention, on est capé à 200 mètres d'altitude. Donc il faut faire gaffe. Il y a une macro grotte ici. Il faudrait que je trouve des belles choses là, hein, parce que c'est relou. Oh, c'est fluide, c'est fluide. Là, on va descendre là. C'est moi où on va descendre là.
chat, on descend. Ouh, chat, on descend. C'est des belles choses là. Il n'y a pas des belles choses ici, hein. Ça brille, ça. Viens que je te suce. Violine galante. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Forme de vie galante. Red word. Ok. Oh, les sons sont formidables. J'adore. J'aime bien. 300 mètres d'altitude, les gars. Je suis au maximum de altitude, mais quoi? Attends, mais c'est trop, là. Mais attends, ça bug, là. Je sais pas si vous êtes là, non. 300 mètres d'altitude, mec. Je peux pas y aller. Mais ça bug. Tiens, je sais pas si vous êtes là, non. 140 mètres, mais je le fais jamais, ça. 100 mètres, 100 mètres, je l'ai fait à pied, les gars. Est-ce qu'il y a un animal, les gars? Je l'ai fait à pied, 100 mètres. Ah, aïe, aïe, aïe. Sans mettre d'altitude, je l'ai fait ou pas? C'est quoi ça? Oula! C'est quoi ce bordel? Scrutine. Je peux pas là, mec, je peux pas. C'est quoi ça? Là, j'ai très peur là. Oula, je vois rien, je vois rien, je vois rien, éclair, éclair! Réservoir très haute capacité! M'en manger! M'en manger! 108. Easter egg, j'ai trouvé. De l'or, c'est très bon ça. C'est quoi ça? Oula, 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 oula. Ramasser rubis. Ouhou. Qui c'est? Sac gélatineux. Belle esquive, belle esquive. J'entends des explosions. Chat, mon vaisseau. Combinaison anti-radiation, j'ai gagné. Fouya! Oh, y'a une île! Attends, attends, je vois des tentacules là. Chat, 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 chat. Y'a une île! J'ai gagné. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Putain, quand t'es dans ton vaisseau, tu te sens quand même un petit peu plus fort, quoi. Tu te sens tellement crémeux, mec, dans... Oula, 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 j'aime pas ces grands axes d'eau là. Tu te sens tellement crémeux, genre quand t'es. Quand tu nages, tu vois. Bon, Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je vais sauter sur l'île, hein, les gars. Ça continue, je vais faire un jump sur l'île, hein. 90% de batterie. 100% d'ET1. Ok. Oh, j'aime pas entendre des... J'entends des vrombissements là. Ouh là là. J'entends des vrombissements dans l'eau, les gars. J'aime pas du tout. Bon, est-ce qu'il a mis un point d'entrée, ce dev? Allô? Ok, je crois qu'il est là. J'ai fait le tour du monde, frérot. Je vois un truc là. Wow. Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Il y a des crabes. Ah, mais ça lag là-haut. Je lag. C'est quoi cette résolution là? C'est bizarre. Non? Oh, il y a quelque chose là-haut. Je suis en train d'analyser, chat. J'analyse. J'analyse les documents. Mais ça lagouille là, chat. Vous lagouillez un peu? Projecteur. Attends, je suis en plein écran, j'espère. Attends. Tiens, je vais en profiter pour sauvegarder. Graphisme élevé. Qualité du flou de mouvement, non merci. Ah bah, c'est tout de suite mieux. Hein. C'est tout de suite immédiatement mieux, même en image fixe. Les flous de mouvement, je comprends pas. C'est pour tous ces consoleux, ça y est, j'ai compris. Le flou de mouvement, il sert pour les consoleux. Ce qui lag on. Oh, à manger. Oh, waouh. Je vais savoir faire tout ça. Oh, waouh, les gars. Bac de culture intérieure, donc je vais pas. Attends, mais ce sont des fruits? Crunch, crunch, crunch! Crunch, 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 crunch! Comment je chope les graines? Ça, c'est une graine, ça, les gars? Ça compte comme graine? Ah, merde, je sais pas, là. Putain, merde, mais attends, mais j'ai pas assez d'espace, là. J'ai failli louper un easter egg. Integrating new PDA data. Ok, 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 on avance. C'est beau, c'est très très beau, c'est très très beau. Ouf! Y'a des belles choses là? Oula, oulala, oulala! Bac de culture extérieure! Patate chinoise! Oh putain, le melon! Un fruit extra... 14, 12! Oh, wow!
Non. Mais suce ma queue! Petit melon. Chat, c'est le meilleur fruit, petit melon? Oh, wow! Ça en donne pas mal ça quand même. Putain, je suis stacké à mort les gars. Fusil à stase. Oh putain, ça c'est le truc le plus OP de la game je crois. Sale multifonction les gars. Oh putain. J'ai gagné. Les patates c'est cheaté? Vraiment? C'est cheaté les patates, vous êtes sûr? ?12-3 mec, c'est vraiment pas ouf. Pour moi l'arbre il est meilleur les gars. Oh putain. Tablette violette, mais qu'est-ce que c'est que ces alienneries? Oh, wow. Bureau. Ok. Full rediff, ouais. Ah, t'as vu, c'est une rediff, ouais. Au fond, hein. J'ai trouvé une entrée. Hein. Pile, let's go. Mur végétal. Oh, ça, c'est swag, ça. Oh, ça c'est swag! Oh, ça c'est swag! J'ai gagné quoi? Palme ultra glissante! J'ai gagné? C'est quoi ce bruit?